Les maisons de pays sont pour nos territoires des lieux d'échange, de promotion des produits et des producteurs locaux. Une vraie porte ouverte promotionnelle pour tous ces produits de qualité et une aubaine pour l'économie. Il faut sans nul doute faire des compromis pour que chacun y trouve des solutions adaptées à leurs souhaits. Ce qui ne doit pas toujours être le plus simple. Les circuits courts doivent être mis en avant pour que des solutions performantes voient le jour. Ces modes de distribution est sans doute une des meilleures solutions pour les artisans, créateurs, producteurs locaux. Mais la route est sans doute pas toute droite. La maison de pays de Beauvaisé a ouvert la route. Nous avons à l'heure actuelle un site internet de présentation des produits présents et des différents producteurs. C'est une bonne chose de rajouter cet atout de promotion. Nous savons que d'autres lieux d'échange vont être construits dans le territoire du Moyen Verdon. C'est Castellane qui a été choisi. Tous les producteurs n'étaient pas unanimes sur le choix de l'emplacement de cette nouvelle maison de pays. Certaines idées semblaient évoquer que la fréquentation n'était pas assez constante tout au long de l'année. Il est vrai que le choix est relativement stratégique et qu'il faut une analyse performante avec un recul et une indépendance réelle. Il y a aussi bien d'autres données à mettre dans la balance pour le choix final. L'important maintenant est que les producteurs et les consommateurs trouvent un nouveau lieu pour écouler les produits et montrent le savoir-faire local pour donner la bonne dynamique à l'économie de nos villages du Moyen Verdon.